Good morning, Aleid, and let us aujourd'hui le Lunishmat Amram, Yona Ben Hana, Peggy Bat Esther, Nissim Ben Ahuda, Shishportish, Michael Novikov, Sidrofuat, Rudbat Claudine Traina, Simchabat Masoudi, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Eduyot, Perek Aleph, Mishnah Yud Bet. Eilu Dvarim, Shechazru Bet Hillel, Lehorot, Kedivre Bet Shamay. Haisha Shebaa mi Medinat Hayam, Damra Met Baali. Tinase, met baali, titiabem, ou bet il elomrim, lo shamanu, ela bebaa minakatsir bilvad. Amru lahem bet shamaai, achata baa minakatsir, vachata baa minazetim, vachata baa mimedinatayam, lo dibru bekatsir ela behove. Chazru bet il el, le horot ke divre bet shamaai. Bet shamaai omrim, tinase, vetitol ketubata. ובית הלל אומרים, תנסה ולא תיטול כתובתה. אמרו להם בית שמאי, התרתם את הערווה החמורה, לא תתירו את הממון הקל. אמרו להם בית הלל, מצינו שהנחים נכנסים לנחלה על פיה. אמרו להם בית שמאי, ולא מספר כתובתה נלמוד, שהוא כותב לה, שאם תנסי לאחר, תתלי מה שכתוב לך. חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. Dernière ligne droite de ce premier chapitre de Maserhet Eduyot, avec à présent Eilu Dvarim Shechazru Bet Hillel Lehorot Kedivrei Bet Shamay. Tels sont les Mishnayot pour lesquels Bet Hillel ont au final se sont pliés à Bet Shamay pour reconnaître que la Lacha allait être établie comme Bet Shamay. Soit de manière générale, il y a plusieurs machloquettes dans le chasse entre Bet Hillel et Bet Shamay. Et dans ce premier chapitre de Maserhet Eduyot, on a réuni toutes les machlokot de Bet Hillel et Bet Shamay un petit peu original. Par exemple, de manière générale, Bet Hillel est toujours plus mekel et plus permissif que Bet Shamay. Et là, dans cette Mishnah, dans cette Maserhet, on a vu des Bet Shamay qui étaient plus, au contraire, que c'était Bet Shamay qui était plus permissif. À présent, dans cette dernière série des trois prochaines Mishnayot, alors on va voir des machlokot entre Bet Shamay et Bet Hillel que plutôt que la halakha soit établie comme Bet Hillel, la halakha va être établie comme Bet Shamay parce que Bet Hillel ont reconnu la justesse des propos de Bet Shamay. D'accord ? Donc, tels sont les Mishnayot, Elu Dvarim, telles sont les choses, chez Chazrou Bet Hillel, que Bet Hillel sont revenus, les Horot d'enseigner, de prescrire la halakha, que divrei Bet Shamay, comme ce que Bet Shamay a enseigné. Avec plusieurs discussions, et la première discussion, ça va être ce qu'on appelle le Heter Agunot. J'hésite à faire une petite introduction très rapidement, très simple. De manière générale, on fait bouger les choses dans la Torah qu'à l'aide d'un témoignage de deux témoins qui viennent, qui nous racontent ce qu'ils ont vu. Partant de ce principe, alors une Aguna, une femme, où on ne sait pas ce qui est advenu de son mari, en théorie, elle doit rester bloquée pour toute sa vie, jusqu'à qu'on sache que son mari est mort, pour lui dire que maintenant c'est une veuve qui pourra se remarier. Sinon, elle est aguna, elle est fixée. Un hogen en ivri, en hébreu, en machin de kodesh, un hogen c'est une ancre de bateau. Elle est plantée, comme ça est dit dans route, à la haine, t'es agena. Est-ce que vous allez rester planté comme des ancres qui restent plantées? Une aguna, d'accord, c'est le mot. Une aguna, c'est une femme qui est plantée, qui reste bloquée, qui ne peut pas se remarier. Elle a pas reçu de guette de son mari. On ne sait pas ce que son mari est mort. Partant de ce principe, il y a malgré tout Chachamim qui ont fait une grande kola. C'est justement le sujet de notre Mishnah qu'on va voir. Que bien qu'en théorie, on ne fait bouger les choses qu'avec deux témoins, lorsqu'il y a certaines conditions où on va pouvoir évaluer que c'est sûr quasiment que son mari est mort, dans plusieurs situations, alors on va permettre à la femme de se marier selon des règles bien définies, bien précises. Vous imaginez bien qu'il y a eu le problème qui s'est posé après la Shoah, lorsque les gens, il y a eu des couples encore, des femmes qui sont ressorties des camps, ils ne savaient pas est-ce que le mari il était resté dans les camps, est-ce qu'il avait disparu, ils ont été séparés pendant plusieurs années, est-ce qu'il était vivant ou pas, il a fallu avoir des rabbanim qui s'assoient. Encore récemment, quand il y a eu l'attentat du 11 septembre, il y a eu des femmes, où il y a eu malheureusement des maris qui sont restés, qui sont parvenus. Est-ce qu'on pouvait estimer qu'apparemment il était resté dedans ou pas? Tout ça, il y a des tchouvot de rabbanim, il faut vraiment des gdolé Torah, des grands, très grands talmid chachamim qui connaissent parfaitement le sujet, qui puissent écrire des tchouvot. Il y avait l'époque
on avait encore Rav Ovadia, qui écrivait, qui a écrit beaucoup de tchouvot suite à ça. Comment faire dans plusieurs situations? Il y a les mêmes situations aussi avec les militaires qui se font prendre en captivité, ce qui peut revenir, la femme de Ronarad, et il y a des tas de... Ouais, c'est des situations très délicates dans l'intérêt, étant donné qu'on n'a pas de témoin hein, qu'il est mort, peut-être qu'il est encore vivant. Et donc la femme, qu'on soit clair, si le mari est encore vivant, la femme n'a pas le droit de se marier parce qu'elle est encore mariée avec son mari. Et si elle est mariée avec son mari, et qu'elle va avec un autre homme, et ben les enfants qu'elle aura seront des mamzerim, chas v'shalom, seront des bâtards. D'accord? En tout cas, c'est le sujet. Maintenant, on va mettre le zoom sur un point qu'il y a dans notre Mishnah, c'est le fait d'avoir donné de la Nehemanout, de croire une femme pour nous dire, elle nous racontait qu'elle a vu que son mari est mort. Une femme qui débarque de l'étranger qui nous dit, moi, mon mari, il est mort devant moi. Et après, je suis revenu ici. Alors, c'est le sujet justement qui a une marchouquette Beth Shammai et Beth Hillel. Ha'isha Sheba'a mi Medinat Hayam. Une femme qui est venue d'un pays d'outre-mer. Elle est venue d'une terre lointaine, elle débarque en France, elle vient d'Amérique, elle vient d'accord d'outre-mer. Ve'amra met Baali. Elle nous raconte que son mari est mort. Met Baali, il est mort, mon mari. Tinase. On pourra lui permettre de se marier. C'est une permission que Chachamim m'ont fait de tolérer, de permettre de se fonder sur la femme, étant donné que la femme, une femme normalement constituée, il y a une chazaka qu'elle ne raconte pas des bêtises parce qu'elle a très peur. Une femme, elle peut avoir quelques écarts par-ci par-là, mais elle n'est pas capable. Un bon juif, de manière normale, n'est pas capable d'avoir une progéniture psoula, inapte de mamzerim. Donc on se fonde sur elle que Daika ou Minseva. Elle est bien médaïeket, médakdeket. Elle est scrupuleuse pour vérifier que son mari est réellement mort, ne pas conclure avec estimation un peu trop hâtive. Et donc on se fonde sur elle et on pourra lui permettre de se marier. C'est la Mishnah qui nous l'enseigne. Ou encore, Met Baali, Titiabem. Si toutefois, elle nous raconte que son mari est mort et qu'on est dans une situation où il n'y avait pas d'enfant. Donc, elle va devoir, maintenant, elle va arriver dans ce pays. Elle va dire, vous voyez, lui là, qui est le frère de son mari, et bien maintenant, il va devoir lui faire le hiboum. On va se fonder sur son témoignage, donc, qui n'est pas un témoignage, puisque d'abord, c'est une femme. En plus de ça, elle est toute seule. Et en plus de ça, elle témoigne sur elle-même. Ça fait trois bonnes raisons pour expliquer que ce n'est pas un témoignage. On témoigne, il faut que ce soit nécessairement un homme et deux hommes qui témoignent sur quelqu'un d'autre, pas sur moi-même. Moi, je ne peux pas témoigner sur moi. C'est un faux témoin, c'est un mauvais témoin. Je suis un pasoul de l'aïdoute pour moi-même. Adam Karov et Talatzmo. Malgré tout, Chachamim m'ont donné une Nehemanout. Ils l'ont cru selon une Chazaka. C'est une Kula qu'ils ont fait pour les Agunot. D'accord? Tel est l'avis de Bet Shammai. Emet Bali Titiabem, c'est pas mentionné que c'est Bet Shammai, en tout cas. Ou Bet Hillel Omrim, et Bet Hillel nous disent non, c'est faux, il n'y a pas de permission qui a été donnée pareil. Il y a eu une permission qui a été donnée, c'était dans quel cas? Lo Shamanu Ela Beba'a Mina Katsir Bilvad. La seule histoire, la seule permission pareille de se fonder sur le témoignage d'une femme qui témoigne sur elle-même n'a été donnée que dans une histoire où, avec la fameuse histoire où la femme elle est revenue des moissons. Il y avait une histoire où il y avait une femme qui était au champ en train de moissonner et son mari, à côté d'elle, s'est fait mordre par un serpent et donc elle s'est enfuie, elle a fui le serpent. Elle arrive au Bedin, elle a dit son mari il est mort, il s'est fait mordre par un serpent et effectivement, Chachamim ont donné cette dérogation à la femme de se marier. Mais c'est un cas très restreint, vous savez pourquoi? Parce que le champ, du Bedin jusqu'au champ, c'est très rapidement pour aller voir. D'ailleurs, le Bedin à l'époque, c'est le Bertrand qui apporte. Ils avaient effectivement envoyé des témoins, des émissaires du Beth Din pour aller vérifier qu'il était réellement mort. Donc, dans une situation pareille, il est vrai que cette dérogation a été donnée de permettre à une femme de se marier, mais que dans quelque chose que c'est tellement sûr qu'elle ne va pas se mettre à mentir parce qu'on va tout de suite aller vérifier et si elle ment, on va placarder tous les murs de la ville en racontant combien cette femme-là est mauvaise. Alors, dans ce cas-là, Chachamim se sont appuyés sur son témoignage. Mais lorsqu'elle vient d'une terre lointaine, est-ce qu'on va la croire? Peut-être qu'elle nous ment, peut-être que finalement elle n'a pas de crainte du ciel et qu'elle va se mettre, effectivement elle a envie de se marier, elle en a trop marre d'attendre et elle tire des conclusions trop hâtives que son mari il est peut-être mort, en fait il est parti refaire sa vie, peu importe. D'accord? Donc, lo shamanu ela beba mina katsir bilvan. Nous n'avons entendu, nous avons cette transmission que pour un cas où c'était un cas très facilement vérifiable. Amrou laem Bet Shammai ont rétorqué à Beth Hillel, ils l'ont dit, Achataba Aminakatsir.
Il a, telle a été l'halakha pour ce ciel revenu des moissons. C'est vrai que l'histoire a été avec un champ de blé où elle est partie faire des moissons, mais il en va de même aussi vers Khataba Minazetim. Je te pose une question, Bethilel. Dans l'histoire que tu me rapportes, s'ils étaient partis cueillir des olives, l'halakha serait différente? Non, parce que tu es d'accord que ça va. Il y a une histoire avec les moissons de blé, mais en tout cas, il en va de même aussi avec les cueillettes d'olives. Et ben dans ce cas-là, Vachataba Mimdinatayam, il en va de même si elle est revenue d'outre-mer, de l'étranger. L'Odibrou Bekatsir et la Beove, l'histoire que toi tu me dis, que tu me rapportes, ça a été dit juste avec Katsir, avec les moissons, c'est parce qu'on est venu te raconter l'histoire telle qu'elle s'est présentée. Mais tu dois avoir l'esprit assez large pour comprendre qu'on ne se limite pas aux moissons de blé. Il en va de même aussi pour les olives, il en va même aussi si c'était, au lieu, l'histoire elle était à l'est de la ville, et si c'est passé à l'ouest, c'est la même chose. Et si ça était 4 km, ben, finalement l'histoire elle pourra même se reproduire avec 10 km, et 20 km, et 100 km, et puis même finalement peut-être 2000 km, c'est pas grave. Il n'y a pas de raison de limiter. Ve chazrou bet hillel lehorot ke bet shamay. Bet hillel sont revenus, ont reconnu que le bet shamay avait finalement raison. Ils se sont pliés à leur avis, et de ce fait, il en va que la halakha, elle est établie qu'une femme peut nous raconter, même si elle vient de l'étranger, nous racontant, à condition bien sûr qu'elle nous dit qu'elle a vu son mari mort, ou qu'elle va nous raconter que c'était une situation où il ne pouvait plus s'en sortir, comme par exemple se faire mordre par un serpent. Et voilà pour la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, on continue à parler de cette même femme. Petite introduction très rapide. Maintenant, donc, comme ça va être plus facile ensuite à lire, quoi. On va continuer maintenant avec cette même femme. On va lui permettre de se marier. Maintenant, vous savez bien que une femme, un mari s'engage le jour de son mariage, il lui écrit une ktouba à la femme. Qu'est-ce qu'il écrit dans cette ktouba? Qu'en cas de divorce, ou bien si il meurt avant elle, qu'elle pourra prendre une certaine... une ktouba, d'accord, prendre une certaine somme de ses biens, un petit 50 000 euros pour pouvoir redémarrer maintenant sa vie, qu'elle ne soit pas plantée toute seule sans rien. Donc, elle pourra prendre une petite prime, la ktouba. La question maintenant va être de savoir, lorsque cette femme vient de Chutz Laaretz, enfin de l'étranger, et qu'elle nous raconte que son mari il est mort là-bas, donc on va lui dire tu peux te marier. Est-ce qu'on va aussi lui permettre de prendre sa ktouba ou non? Ça va être le sujet. Et une petite donnée importante, c'est que quoi qu'il arrive, lorsqu'elle vient de l'étranger, si elle nous raconte que le mari il est mort, et qu'on va lui permettre de se marier, mais une chose de sûre, on ne va pas se fonder sur son témoignage pour permettre aux héritiers du mari de prendre les biens du mari. C'est-à-dire, je m'explique. Un homme qui disparaît de la circulation, on ne sait pas pourquoi, il est parti à l'étranger, il n'a pas donné de signe de vie pendant maintenant 12 ans, 15 ans. Eh bien, la halakha ne nous permet pas de prendre ses biens et de les donner aux héritiers. D'accord? C'est une halakha, c'est rapporté dans Perek Mafkid, dans Baba Mitzia, ce qu'on appelle Nirse Netushim, Retushim, il y a plusieurs cas de figure. C'est le Nirse Chavouille. Quelqu'un qui est parti à l'étranger, qui a disparu, donc de la circulation, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ça fait maintenant 15 ans, 20 ans, 30 ans même qu'il est parti, et il a des champs entiers, il a des maisons, il a des biens, et les héritiers ils sont là, ils disent, mais c'est sûr qu'il est mort, il nous aurait donné un signe de vie, il n'aurait pas pu abandonner tellement de millions et les laisser comme ça sans nous faire savoir. Et bien le Bedin va leur dire, non, tant qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu de cette personne, on ne pourra pas permettre aux héritiers d'entrer dans ces terrains, de prendre possession de ces biens. D'accord? Notion générale, jusqu'à qu'on ait des témoignages, allez entamer une enquête. Pour le moment, dans certains cas de figure, si ça vous intéresse, on va nommer quand même un apotropos, un administrateur de biens, qui va s'occuper de faire fructifier un petit peu, c'est-à-dire surtout que ça ne va pas se défricher, tous les biens qu'il a. Alors on va les entretenir à minima, et on va prendre l'argent qu'on va gagner, que les biens vont rapporter, on va le mettre de côté, jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il est devenu de cette personne. Et si la situation reste bloquée, eh ben on restera aussi dans notre position pendant aussi des années, jamais on ne pourra hériter de ces biens. D'accord? Maintenant, on revient par rapport à notre Mishnah, cette femme vient de l'étranger, et nous raconte que son mari est mort à l'étranger. On va lui permettre de se marier. D'accord? Maintenant, on ne va pas permettre, grâce à son témoignage, aux héritiers de prendre possession des biens de leur frère ou de leur oncle, peu importe, du défunt. Parce qu'on va lui dire, non, Chachamim ont donné
une certaine dérogation à la femme pour se marier, pour ne pas qu'elle reste bloquée. Quelque part, on est parti contre les règles de la Torah, que la Torah nous dit on ne bouge pas qu'avec des, on ne bouge qu'avec deux témoins qui témoignent, deux témoins qui chériment. Et là, on a dit, bon, on va permettre à la femme de se marier, on va se fonder sur une estimation presque sûre, que c'est sûr qu'une femme, elle ne va pas se mettre à mentir, tout ça. Mais il nous manque la partie témoignage, et on ne va pas pouvoir engager quelqu'un sans un témoignage. De ce fait, on ne va pas se fonder sur son témoignage à elle, qui est une femme unique, qui est concernée même par le sujet, pour ensuite permettre à d'autres personnes de prendre possession des biens et causer peut-être un tort au mari qui finalement risque de peut-être débarquer finalement, puisqu'on n'a pas eu deux témoins qui sont venus certifier que le mari est réellement mort. Alors, donc on ne va pas permettre d'autres témoins. Et la question maintenant va être, qu'est-ce qu'on va faire avec sa ktouba ? Est-ce que, lorsqu'elle va se marier, elle pourra elle-même prendre sa ktouba ou non ? C'est-à-dire, étant donné qu'on a fait un distinguo, on a différencié la partie se remarier et la partie mamonote, les différents d'argent, et puis on a admis que la femme elle est crue pour se remarier, mais elle n'est pas crue pour permettre aux héritiers d'hériter. De ce fait, donc, tu distingues entre la erva et les mamonotes, entre l'interdit d'inceste, de permettre une femme mariée, et les différents d'argent. De ce fait, la ktouba de la femme, la prime qu'elle devait recevoir lorsque son mari décède, elle ne devrait pas la prendre. Celui qui veut faire sortir de l'argent de son prochain, il doit forcément rapporter une preuve. On aurait pu croire qu'on ne va pas l'indistinguer, et c'est justement la discussion qui est entre Beit Shammai et Beit Hillel. Beit Shammai omrim, Beit Shammai enseigne, Tinase vetitol ktubata. Beit Shammai enseigne qu'elle se remariera, et elle pourra même prendre sa ktuba. Beit Hillel omrim, et Beit Hillel disent, non, Tinase, on lui permettra de se remarier, velotitol ktubata, mais on ne lui permettra pas de prendre sa ktuba. Pour les mamonotes, on revient avec la fameuse règle Hamotzi Mechavero Alavaraya, la grande règle qu'on a déjà évoquée au moins 15 fois dans toutes nos Mishnayot depuis le début de Baba Kama. Zeklal Gadol Bedin Hamotzi Mechavero Alavaraya. Grande règle pour tous les différents d'argent, on ne fait bouger de l'argent qu'avec une vraie preuve, c'est-à-dire deux témoins. Pas une bonne estimation que c'est très probable qu'il est mort, ça ne suffit pas. Amrou Laem Beit Shammai, Beit Shammai ont rétorqué à Beit Hillel. Ils ont dit là cette fois-ci, vous faites une erreur, Beit Hillel, de différencier le remariage de la femme avec son droit à la ktouba. Pourquoi ? Itartem et ha'erva chamura, lota tirouet ha'mamon akal. Grande règle, déduire par a fortiori, le kal vachomer. Si, pour le grave interdit de erva, d'inceste, de se marier avec une femme interdite, peut-être que sa femme, elle est encore cette femme-là. Peut-être qu'elle est encore mariée, peut-être que son mari est encore vivant. Et qu'est-ce que tu me dis ? Tu dis non, tu la crois, tu te fondes sur son témoignage et tu lui permets de se remarier. Mais je ne comprends pas. Tu te rends compte ce que tu permets ? Le très grave interdit de Herva, de Chatiche, d'adultère, tu le permets ? Alors maintenant, c'est le moment de te mettre à mégoter et à me dire que malgré tout, pour l'argent, on n'a pas assez de preuves, c'est pas assez fondé comme témoignage. Tu te rends compte ? Si tu soupçonnes que c'est pas assez fondé pour l'argent, alors à plus forte raison que tu aurais dû interdire pour le mari et pour le remariage. Et si tu permets le remariage, c'est que tu te fondes sur elle. Alors si tu te fondes sur elle, va jusqu'au bout de tes propos et permets lui aussi de prendre la ktouba. Voilà ce que Beit Shammai rétorque à Beit Shammai. On le refait dans les mots. Itartem et ha'erva chamura, vous avez permis de lever l'interdit de erva, d'inceste, donc d'adultère, de femme mariée. Qui est Hachamura, qui est le Hamour, lui vous l'avez permis. Le grave, vous l'avez permis. Le facile, vous n'allez pas le permettre. L'Otatirueta Mamonakal, vous n'allez pas permettre aussi de prendre possession des biens, c'est-à-dire de la Ktouba, qui est pourtant un interdit beaucoup moins grave finalement. Amroulaem Beit Hillel, Beit Hillel ont rétorqué à Beit Shammai, on dit non. Regarde toi-même Beit Shammai que tu me fais ce kal vachomer, tu me déduis par a fortiori. Toi-même, tu es d'accord que quoi ? Matzinu she'en ha'achim nichnas in le'nachala al-pia. Toi aussi, Beit Shammai, tu es d'accord que, malgré tout, on ne va pas se fonder sur son témoignage pour permettre aux frères de prendre possession de ses biens. Donc tu vois bien que même toi, Beit Shammai, tu fais un distinguo entre les ilchot, arayot, l'inceste, et les dîners mamonot, et les différents d'argent, de biens. Alors donc tu fais un distinguo toi-même, Beit Shammai, tu te fonds pas sur son témoignage pour permettre aux frères d'hériter. Donc, pourquoi tu ferais pas ton kalva chomer, Elama ? Qu'est-ce que tu es obligé de dire ? Que, malgré tout, Chachamim se sont fondés, ils ont fait une certaine dérogation, mais
on la restreint au strict minimum nécessaire. D'accord ? Amroulaem Bet Shammai, il a rétorqué, il a dit non. Tu sais pourquoi ? Ce que je pense que il faut permettre à la femme de prendre sa ktouba, en réalité, c'est pas que à cause du kal vachomer. C'est parce qu'il y a une autre raison. Que dans la ktouba, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Velo mi sefer ktoubata nilmod. Je déduis qu'elle doit recevoir la ktouba, mi sefer ktoubata, depuis le shtar ktouba, la fameuse ktouba qu'on lit là-bas dans sous la chupa. De là-bas, je déduis qu'elle doit recevoir la ktouba. Parce que qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas ? Shehu kotev la, car il lui écrit en ces termes là-bas, Sheim tinasi l'acher titli ma shekatuv lich. Il y a écrit là-bas dans le shtar de Ktouba que tu pourras et tu recevras cet argent que je me suis engagé à te donner lorsque tu te marieras avec quelqu'un d'autre. Tel est le mot, la phrase écrite dans la Ktouba. Le jour où tu te remarieras, tu auras le droit de prendre cet argent. Donc il s'est engagé. Le jour où elle se remariera, en l'occurrence, elle se remarie grâce au Bet Din qui lui permet de se remarier. De ce fait, elle doit recevoir la Ktouba parce que tel était l'engagement. Il est vrai que je ne fais pas le Kal Vachomer. Ouais, on ne peut pas déduire les mamonotes des harayot, mais quand même, son engagement du mari se limite à lorsque la ktouba, à l'engagement écrit dans la ktouba. Or, l'engagement dans la ktouba se restreint au cas où on lui permet de se remarier. Puisque le bedin lui permet de se remarier, elle pourra recevoir la ktouba. Chazrou bet hilel lehorot kedivre bet shamay. Après cette confrontation, bet hilel ont finalement reconnu et admis que la halakha est enseigné ensuite que la halakha était comme Bet Shammai, et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de halakha, tout cela.